Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes ces pièces ici. Alors c'est un petit truc. C'est celui qui me donnera les dates les plus. Enfin les dates qui sont plus proches des pièces que je vais montrer. Mais si je vais pas montrer la date, hein, ce serait un peu. Voilà. Celui qui me mettra la date la plus proche, bon, bah, je lui ferai une pub. Et ça va être 3 pièces. Et dans ce message, il y en a qui va devoir. Dans un message, je vais devoir mettre les 3 dates et je verrai si c'est les plus proches et si ça sera les plus proches. Bon, bah voilà. Alors, ici nous avons une pièce. Attendez, oui, ça c'est le petit coffret que je range. Alors, je vais un peu dézoomer. Alors, elle est où? Alors ici vous pouvez voir une pièce avec un homme qui écrit sur un tableau. Alors ça vient de la France, de la République française. Et alors celui qui me donnera vraiment la date la plus exacte, enfin la plus proche de cette pièce en un message, il faudra mettre les 3 dates les plus proches que vous pensez. Et voilà, il va falloir trouver déjà la première date. Alors moi je sais, mais je vais pas vous le dire. Or c'est du 100 francs et 100 francs c'était 10 euros avant, un peu je sais pas. Alors c'est là, ok c'est fait. Alors je vais t'envoyer une pièce avec une date. Est-ce que celle-là elle a une date inscrite? Oui. Alors celle-là, attendez. Alors ici on voit 2 personnes, on voit une femme et un homme. Là c'est là où ce que je zoome là dessus, là c'est la femme, enfin là c'est l'homme, là c'est la femme à côté, on voit pas trop. Et après t'as un bonhomme de neige. Alors, à vous de me dire quand elle a été créée. C'est une pièce de 10 euros mais qui est un peu en franc. Alors dites moi à quelle date, c'est pas dans les 1935 comme tu veux, mais c'est dans les années 2000, je sais pas. Ah mais c'est hyper récent. C'est à 4... Non, je vais pas vous dire. Parce que sinon... Alors, après, et la troisième... Alors, est-ce que celle-là, elle a une date? Je crois pas. Si. Alors, ici, nous avons une pièce. C'est une pièce de l'Espagne. C'est une peseta. Alors, à vous de me donner... l'année aussi. Moi je la vois mais je vous fais. Alors déjà c'est dans les années 1000. Alors celle-là je vous donne des indices. Celle-là, la République française là. C'est de la République française. C'est dans les années 2000. La pièce de l'Espagne, c'est dans les années 1000. Et l'autre, celle-là, c'est dans les années 1000. Alors, celui qui trouvera les dates les plus proches, je lui ferai une pub. Alors, bien sûr, les trois dates, il va falloir les mettre, bien sûr, dans un message. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et donnez-moi la date la plus proche que vous pensez. Ciao, ciao, c'était Enzo. Et bye!